Salut tout le monde, alors attends, il est 9h27, je suis encore arrivée avec beaucoup trop d'avance comme d'habitude, et avec ma collègue on n'arrête pas de dire des conneries depuis tout à l'heure, et ouais c'est trop cool, vas-y, mets ta main pour prouver que t'existes, mets ta main pour, voilà, elle existe, elle est là, c'est pas ma main, hein. Voilà, et donc, je suis obligée d'arriver aussitôt à cause de la SNCF, et c'est une véritable galère, mais c'est pas grave parce qu'on rigole, donc à toutes. Je vais continuer comme ça vu que ma chef adore le rouge, même si si je pouvais éviter, j'éviterais. Et sinon, je vais mélanger, je pense, les vidéos que j'aime bien faire d'habitude avec l'idée de Vlogmas en rajoutant des petits bouts de temps en temps. Et là, je me marre comme pas possible. Pour continuer un petit peu ici, et j'avoue que je me marre avec tous les débats qu'il y a sur le foie gras vegan sur le net aujourd'hui. Alors ça date pas d'aujourd'hui, parce que j'ai vu un post Facebook sur Femme Actuelle, je crois, qui date du 1er, mais enfin bref, on s'en fout. En gros, j'ai envie de dire, vous savez quoi, je suis pas vegan, hein, franchement. Et je pense pas avoir envie de l'être, ni même possibilité, enfin bref, on s'en fout. Je suis peut-être pas vegan, mais j'ai le temps de vous revenir, vu que j'ai seulement 34 ans. Ceci dit, c'est pas parce que vous ne l'êtes pas que vous devez venir pomper le derche à tout le monde dès qu'il y a une recette qui est postée. Pour tout ce qui concerne les recettes de cuisine, gardez un truc en tête. Si vous voulez la faire, vous la faites. Si vous ne voulez pas la faire, vous ne la faites pas. Si vous voulez en manger, vous en mangez. Si vous ne voulez pas en manger, vous n'en mangez pas. Je pense que c'est aussi simple que ça. Alors, ok, d'accord, il y a plein de vegans qui sont ultra relous et super méga chiants. Mais en attendant, j'avoue quand même que il y a des omnis. Ça donne pas vraiment envie d'être pote avec hein, quand tu vois la manière dont ces gens-là réagissent. Enfin bref, voilà, c'était ma défense des camarades véganes du jour. Voilà. C'est pas parce que je le suis pas que la bouffe n'est pas bonne pour autant. Et vous savez quoi? Ce fameux foie gras vegan, eh ben, je vais le tenter. Parce que ça a l'air vachement intéressant. Voilà. Bon, c'est la fin de journée, il y a quand même eu un point positif aujourd'hui, donc là je me retrouve devant le PC parce que je viens de regarder, il est 20h40 et oups, j'ai failli zapper. Donc ben, la journée s'est donc finie plutôt pas si mal, je me suis fait un nouveau pote parmi nos voisins, un pote à quatre pattes, petit chat blanc et roux. Oh mais ça se voit que c'est un chat qui a une famille, parce qu'en fait le poil est très doux, il est très propre, enfin, je veux dire c'est, voilà, j'étais à ça, je vous jure, j'étais à ça de l'attraper, de le ramener chez moi, mais il ne faut pas faire ça avec tous les chats randoms qu'on trouve dans la rue, ouais, leçon de vie de Sandrine. Yay. Bon, sur ce, bah, je vous fais des tas de grosses bises, et je vous dis du coup, à demain.